just gonna leave me. When you go, can't you see I need you? Vous vous sentez mis de côté, sous-estimé et exclu? Votre maître vous voit plus comme un acolyte que comme un vrai membre de la famille? Venez rejoindre le club des amis bienveillants de confiance. Une expérience en babysitting est souhaitée. Il faut de bonnes références. Un brevet de secourisme est un plus. Ça y est, il est parmi nous. Tu es Devil le dinosaure. C'est incroyable. Non. Tu n'es pas une distraction. Tout le monde a sa place ici. Mets-toi à l'aise, sers-toi un bol de céréales. Nous allons démarrer par le cercle de confiance. Amis bienveillants, rassemblons-nous. Je m'appelle Redwing et je suis un ancien acolyte. Bonjour Redwing. Mon maître super-héros ne voulait pas me révéler sa véritable identité. Si seulement il m'avait fait assez confiance pour enlever son déguisement. Et si je m'étais lié d'amitié depuis le début à quelqu'un qui s'appelle Jerry? Bonjour, je m'appelle Aragorn et je suis une ancienne acolyte. Bonjour Aragorn. Ma super-héroïne ne m'a jamais laissé monter dans son avion. Est-ce que j'aurais tenu assise? Probablement pas. Mais elle n'était pas censée le savoir. Vu que le jugement va bientôt être prononcé, je n'ai aucun commentaire à faire sur mon ancien super-héros. Mon héros? C'était le maître le plus méchant que je connaisse et le plus cruel aussi. Granit the Crusher. Quand le vieux Granit a pris sa retraite, il avait prévu de faire ce que chaque super-héros vieillissant fait lorsqu'il rend son tablier. Déménager en Floride, mais qui avait-il oublié d'inclure dans ses plans? Moi, je suis tombée sur le contrat de location de son nouveau pied-à-terre. Et qu'est-ce qu'il y avait écrit en rouge? Chien interdit. Donc je suis partie avant qu'il me chasse. Et toi? Nouveau copain? On t'écoute, mon pote. Raconte-nous ton histoire. Elle a fait quoi? Ça, c'est un exemple parfait d'anti-héroïsme. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a créé ce groupe solidaire. Parce que les super-héros ne nous traitent pas comme des membres de leur famille. Ils nous traitent comme des acolytes. Vouloir se débarrasser d'un grand gaillard comme toi. Je parie que ta queue de dinosaure pèse à elle seule au moins 2 tonnes. Hey, c'est le nouveau nom que je vais te donner. On t'appellera 2 tonnes si ça te convient. 2 tonnes.